Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit update lecture, donc je vais vous parler de 4 livres comme d'habitude. Ce sont mes lectures de fin février, début mars, donc je suis pas trop en retard, ça va. Pour une fois, ça change. Je vais tout d'abord vous parler de Sherlock et Moria, le tome 1, l'initiation de Ridley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. Ensuite, je vous parlerai de Piéger, le tome 2, donc Entre les murs de la nuit, d'Hubert Benkemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. Et puis, je vous parlerai de Mores, le tome 1, jeunesse de J.A. O'Neill aux éditions Man Extremens. Et je terminerai par une bande dessinée qui est absolument magnifique et qui est La boîte à musique de Guiget et Carbone aux éditions Dupuis. Je vais tout d'abord commencer donc par Sherlock et Moria de Ridley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que j'ai lu en lecture commune avec Manon de la chaîne Ivre de Livres et je l'ai reçu par la maison d'édition que je remercie bien sûr. C'est un roman que j'avais vraiment vraiment hâte de découvrir parce que j'aime beaucoup Sherlock Holmes et que là ça s'annonçait plutôt bien étant donné qu'on va suivre Sherlock mais aussi James Moriarty et sa sœur Moria durant leur adolescence alors qu'ils sont scolarisés à l'académie de Baskerville. Ça s'annonçait plutôt bien et j'avais vraiment hâte de les découvrir et je dois dire que j'ai été très peu déçue, ça a été une bonne lecture pour moi. En effet, j'ai été totalement séduite par les personnages, c'est-à-dire Sherlock et Moria, qui font un duo absolument éblouissant. Ils sont pleins d'intelligence et de perspicacité et pour le coup, j'ai vraiment adoré les suivre dans leurs aventures. Cependant, je dois dire que niveau personnage, James m'a vraiment agacé les trois quarts du roman. Il n'arrête pas de râler, il est jamais content avec personne, il veut jamais se faire aider alors que clairement il n'y arrive pas. Et voilà, il est agaçant au possible, mais je crois aussi que c'est fait exprès et que de toute façon, bah voilà, James Moriarty à la base c'est l'ennemi avec un grand E de Sherlock Holmes. Et bah voilà, enfin, on voit qu'adolescent était déjà super chiant en fait. Du coup, j'ai adoré découvrir l'académie de Baskerville avec ses règles, ses étudiants un petit peu huppés et pas franchement accueillants. On va suivre une piste semée d'indices. Et voilà, c'est vraiment ce qui fait la force de ce roman, ce sont les diverses énigmes que Sherlock, Moria et James doivent résoudre et tous les secrets qu'il y a derrière en fait. J'ai beaucoup aimé ce roman dans le sens où on est toujours dans un suspense constant. Maintenant, ce qui m'a un petit peu déçue, c'est qu'à la fin, je m'attendais à une grosse révélation qui allait nous lever quelques secrets, tout en en laissant certains bien sûr pour le tome 2. Et mais non, en fait, dans le dernier tiers du roman, on découvre plus vraiment grand chose, ou alors on le savait déjà. Et du coup, ça m'a un petit peu déçue à la fin, parce que quand même, je m'attendais à avoir une révélation qui me donnerait vraiment envie de lire le tome 2. Et non, en fait, tout ce qu'on a, c'est une accumulation de mystères et de secrets qui nous donne envie de lire le tome 2, bien sûr. J'ai très envie de lire la suite, mais on n'a pas de grosses révélations en mode « Regarde, tiens, tu pensais ça et c'était pas ça ». Non, on arrive dans quelque chose d'assez prévisible car vraiment préparé par l'auteur et du coup j'ai pas eu de grosse surprise à la fin, ce qui est un petit peu dommage. Maintenant c'est vraiment plaisant d'aller de mystère en mystère, de secret en secret, de résoudre les énigmes et d'avoir ces personnages absolument fabuleux. J'ai vraiment adoré Sherlock et Moria. Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ces personnages, même si, bien sûr, petit bémol sur James, comme je l'ai dit juste avant. En conclusion, je dirais que ce premier tome est un bon tome d'introduction. J'en attendais un petit peu plus niveau révélation et rebondissement. Heureusement qu'il y a de bons personnages, heureusement que j'ai vraiment adoré Sherlock et Moria. Après, pour le coup, bon, James m'a vraiment agacée, mais c'était pas vraiment grave non plus. Je dirais que c'était une bonne lecture et que je lirai le tome 2 pour sûr. Ensuite, je vais vous parler de Mores, le tome 1, alors je dis Mores, mais c'est peut-être Mores. Donc c'est le tome 1, jeunesse de J.A. O'Neill aux éditions Man Extremens, qui m'a envoyé ce roman sous la forme d'un e-book. Dans cette histoire, nous allons suivre Charlie qui est une jeune flic qui a aussi une importante libido, on va dire ça comme ça. Attention pour les oreilles sensibles, c'est un roman policier mais sur grand fond d'érotisme. J'utilise le mot policier parce qu'il y a un meurtre au tout début du roman et que Charlie va devoir résoudre ce meurtre tout en sachant que ce meurtre a eu lieu dans un espèce de club libertin. Et voilà, Charlie, elle avait pour habitude d'y aller dans ce club libertin pour réaliser ses fantasmes et tout ça en toute liberté. Et le lendemain, elle s'aperçoit qu'il y a eu un meurtre là-bas. C'est quand même pas terrible pour une flic chargée de cette enquête. Du coup, au début, j'avais un petit peu peur parce que voilà, on enchaîne des scènes d'érotisme. Alors en général, je vous le dis tout de suite, ça me gave très rapidement quand il y en a trop. Et là, dès le départ, je trouvais qu'on les enchaînait beaucoup et ça m'a fait un petit peu peur parce que j'ai eu l'impression qu'on banalisait les choses. Et en fait, au milieu du roman, voire un petit peu avant, on s'aperçoit que Charlie va voir une psy
pour sa libido débordante. Je dirais même qu'elle est totalement nymphomane et que ça devient vraiment n'importe quoi, hein. Mais ça, ça reste mon avis. Mais en tout cas, elle va voir une psy parce qu'elle trouve elle aussi que c'est beaucoup trop et que ça arrive n'importe quand et que c'est un petit peu étrange tout ce qui peut se passer pour elle. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça super bien parce que voilà, j'avais peur qu'on banalise les choses, j'avais peur qu'on fasse croire à des adolescentes parce que voilà, parfois des adolescentes peuvent lire des romans érotiques et j'avais peur qu'on leur montre cet exemple comme une sexualité normale. Enfin voilà, j'ai une scène en tête dans les toilettes de son commissariat, en fait du commissariat dans lequel elle travaille, qui m'a un petit peu mise mal à l'aise et je me suis dit oulala, mais dans quoi je m'embarque? Et en fait voilà, elle va voir un psy derrière et ok, si on dit que c'est pas vraiment normal et que c'est excessif, je suis d'accord et c'est cool, en plus elle va se faire soigner par un psychologue, super, ou un psychiatre, je sais plus. En tout cas, ce qui était vraiment bien dans ce livre, c'était l'articulation entre le côté policier et donc l'enquête, mais aussi le côté érotique, le côté un peu je dirais pas romance, mais oui, romance érotique quoi, de Charlie. Et en fait, on voit que ces deux côtés s'entremêlent tout au long du récit et c'était plutôt bien fait. Et je suis ressortie de cette lecture plutôt satisfaite. Je dirais que c'était une bonne lecture et que je lirai le tome 2 avec plaisir. En conclusion, je dirais tout simplement que ce tome 1 m'a plutôt bien plu, que c'était un roman érotique sur fond d'enquête policière assez intéressant, c'est original comme concept et je lirai certainement la suite. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 de Piégé, donc Entre les murs de la nuit, de Hubert Benkemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. J'avais lu le tome 1 et j'avais pas été très très emballée, voilà, on était dans un train dans le tome 1. Je vous invite à aller voir ma chronique ou mon update lecture, mais voilà, je veux pas plus apprécier que ça. Là, ce tome 2, je dois dire que j'ai été plutôt favorablement surprise, parce qu'en fait, je m'attendais pas à grand chose dans ce tome 2, étant donné que j'avais moyennement apprécié le tome 1. Et finalement, on va suivre plusieurs protagonistes durant une même nuit, donc pendant 3 heures, et tous vont être reliés à peu près dans le même quartier, quasiment dans la même maison. Et en fait, ce sont plusieurs groupes de protagonistes qui vont se retrouver, qui vont s'entrecroiser, et dont les destins vont finir totalement liés. Hubert Benkemoun, il va surtout manier le hasard, manier la coïncidence, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait dans ce livre. J'ai senti un certain suspense. Je peux pas vous en dire trop parce qu'il est très court. Enfin voilà, je l'ai lu en 2 heures quoi, donc je peux pas vous en dire trop. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça pas trop mal fait. Enfin franchement, je me suis laissée prendre dans ma lecture. Et j'avais très envie de savoir la fin, de savoir comment les protagonistes allaient s'en sortir. Parce que voilà, ça va assez loin. Hubert Benkemoun n'hésite pas à tuer des personnages ou à les mettre dans des situations très très inconfortables. Et je peux vous dire qu'on a très envie de savoir la fin. D'ailleurs, Hubert Benkemoun nous apporte un très beau final qui nous montre que tous les destins étaient liés, qu'ils se sont entrecroisés tout au long de l'histoire et que c'était pas pour rien. En conclusion, je dirais que ce second tome m'a plutôt bien plu, contrairement au premier qui m'avait laissé un petit peu mitigé. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Ensuite, je vais terminer par le plus bel ouvrage graphique que j'ai pu lire ce dernier mois. Il s'agit de La boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorian, de Guigé et Carbone aux éditions Dupuis. Dans cette histoire, on va suivre Nola. Nola qui est une jeune fille qui vient de perdre sa mère et qui vit donc toute seule avec son père. On va les découvrir alors que c'est son anniversaire et son père va lui offrir une étrange boîte à musique qui appartenait à sa mère. Je vais pas vous en dire trop, mais en tout cas, sachez que La boîte à musique lui ouvre tout plein d'horizons absolument merveilleux et mystérieux. Et voilà, l'histoire est vraiment très jolie. Les dessins sont magnifiques. On va peut-être vous en montrer, allez, la première page. Je vous montre un petit peu ça si ça fait le focus. Voilà, c'est vraiment sublime. J'ai vraiment, vraiment adoré cette bande dessinée. D'ailleurs, je la fais lire aux gens qui viennent dormir chez moi. Je peux pas vous en dire trop parce que ça reste une bande dessinée et que c'est assez court. Mais en tout cas, sachez que ça m'a beaucoup plu. L'histoire est vraiment touchante, attendrissante et les dessins sont juste sublimes. On ne peut que se laisser porter par l'histoire. Et en conclusion, je dirais qu'il faut absolument que vous la découvriez parce que voilà, vous passeriez vraiment à côté de quelque chose de sublime. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu penser des lectures que je vous ai présentées, si vous les avez lues, si ça vous fait envie. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner cette année, toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.